Hey, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone Jeux de Société. C'est commencé, Martin? Ben oui, on commence le combat. Ben là, alors, bonjour tout le monde. Je suis chez vous encore? Ben, ça, je suis pas capable de te débarrasser de toi, donc, ben oui, t'es chez nous. Ben écoute donc, tu es obligé de jouer avec moi, tu vas voir, tu me respectes dans ta bulle. Je suis obligé, j'ai pas le choix. Alors, voilà. On est prêt pour le combat. Voilà, fait que c'est à moi de commencer. Donc, si vous ne savez pas de quoi on parle, vous avez juste à aller voir l'épisode 0. Là, Stéphane a peur que nos amis français ne nous aient pas compris, mais ça, c'est très... Ça, c'est vraiment... Je pense à vous. Sous-estimé. Je pense à vous. Bon, alors, je vais... pour mon premier, donc, je vais faire apparaître mon... Comment ça, c'est toi en premier? Ben, c'est moi qui ai gagné quand on a fait le lancer de dés. Tantôt, j'avais 6. Oui, je sais, mais que tu as lancé le dé hors champ puis tu l'as changé. Non, 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 arrête de dire. Je dis qu'on devrait l'artirer. Donc, je vais jouer mon Lock Seekers qui a 5 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, mon Lock Seekers qui est un Defender. Comment je fais pour savoir qu'il est un Defender? Mais, ben, c'est qu'on voit. On voit pas. On voit rien. On voit absolument rien. C'est parce que j'ai oublié de replacer ça ici par-dessus. Les autres, ça va aller mieux. Ouais. Alors, le Lock Seeker, comme vous pouvez voir, il y a... ici, il y a ah oui, c'est ça ici. Donc, c'est un Defender, parce qu'il y a un petit bouclier. Alors, les Defenders, souvent, ont plus de points de vie. Il y a les attaqueurs, qui ont souvent plus de dés d'attaque. Ouais. Vous avez aussi des Tacticals, qui sont... et vous en avez un dernier qui sont des archers. Les Defenders, ils font quoi? Ils ont souvent plus de points de vie que les autres. OK. Alors, le Defender, ici, qui a Taunt. Donc, Taunt, ça veut dire que s'il y a une unité qui est adjacente à lui, ben, même s'il veut viser quelqu'un d'autre, il n'a pas le choix de viser lui. Il y a Beastmaster, qui veut dire quoi, Stéphane? Beastmaster? Beastmaster, les bêtes alliées avec cette unité ignorent la compétence de Roaming. OK, Roaming, c'est... donc, ça veut dire que je peux contrôler la bête, s'il y a une bête. Parce que dans nos chips, on a une bête. Après, ben, en tout cas, je pense que tout le monde a ça. Puis shove, c'est je peux pousser, je pense, quelqu'un. Shove, ça se dit shove. 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 Cette unité déplace une unité adjacente d'un hexagone et simultanément bouge sur l'hexagone qui a été voilà. Libéré. Fait que là, il est dazed, donc ça veut dire que mon tour est terminé. Bon, c'est à mon tour. Oui. Ah, mon Dieu. C'est à ton tour. Je ne sais pas en tout quoi faire. Ben, c'est ça que je disais, c'est une question tactique. On joue un jeu ensemble, et là, tu t'échappes. Tous tes chips de poker, c'est incroyable. Attends, puis je pense qu'à la fin de mon tour, c'était-tu écrit que si j'avais pas 4, tu te souviens-tu? Hein, déjà, notre premier point de règle. Ah, c'est mon acte. Je pense que si j'avais pas 4 membres d'équipage dans mon camp, j'étais obligé de faire un... je laisse faire, je vais m'en faire moi-même. Ouais, c'est ça. Donc, il faut que je retourne dans mon sac puis que j'aille chercher une 4e unité. Bon, moi, je vais sortir le Spa Bed. Voyons. Alors, il y a First Strike. Donc, ça, c'est... voilà. Cette unité qui peut attaquer ou utiliser un spécial ce tour-ci en étant déployé. Ouais, First Strike, c'est que dans le fond, tu peux attaquer en le déployant. Donc, il est dazed, mais il peut attaquer. Ouais, mais là, ça donne... ben, tu pourrais le faire attaquer mon héros, si tu veux. Ouais. Puis, il y a Aura... Ah non, tu peux pas, c'est vrai, s'il va. Ouais. Aura Furieuse 1. Donc, à 1x de lui, c'est une habilité, il fait 1 point de dégâts. Ah! Dans la séquence d'habilité. Okay. C'est ça, dans la séquence d'habilité. Donc, il y a 3 points de vie. Je peux-tu avoir 3 chips de points de vie, s'il vous plaît? Bien sûr. Je préfère au vinaigre, mais bon. En passant, j'ai pris les chips qui sont en plastique de base, qui viennent avec le jeu. J'ai les chips premium, mais ils sont dans ma boîte de Victorum, malheureusement. J'ai pris la peine de me déplacer en Saint-Zotique puis il n'a pas sorti son gros matériel full. Ben, je trouve ça pas pire comme matériel, je trouve. Hein? Ben non, c'est bien correct. J'aurais pris des figurines. Ben. Ben là, est-ce que tu... Là, il faut que tu prennes ta 4e... Ah, t'es fatigué. Faut que tu prennes ta 4e unité. OK. Fait que pendant que tu prends ta 4e unité, moi aussi, je vais jouer. Alors, j'avais déjà, je pense... OK. Bon, moi... Mais là, c'est quand qui se déplace nos unités? Ben là, regarde bien. Là, suis bien ce que je vais faire. OK? Suis bien ce que je vais faire. J'en ai manqué un peu. Alors, là, je vais déployer mon Warrior. Qui a, là, vous voyez que moi, en passant, le vert disparaît avec mon Green Screen. Parce que c'est exactement la même couleur que mon Green Screen. Là, il y a Retaliate. Ça fait... Bon, quand il reçoit des points de dégâts, s'il n'est pas mort, il fait un point de dégâts à l'autre. Mais Whirlwind, c'est... Je pense qu'il attaque tous ceux qui sont autour de lui. Cette unité compte... OK, cette unité compte le nombre d'adversaires avec lequel il est adjacent et lance son dé d'attaque le plus faible ce nombre de fois. Cette unité fait des dommages à chaque opposant adjacent égal au nombre de touchés lancés. Bon, alors là, lui, je vais le placer là. Donc lui, il est dazed. Donc là, ça c'est la phase de déploiement qui est maintenant terminée. Après ça, c'est la phase de tactique. Mais là, je pourrais donc, si je voulais, je pourrais mettre la tactique Blaze. Blitz, en fait, qui est cette unité permanente a maintenant un des verts de plus. Je peux utiliser les tactiques à n'importe quel. Ben, en fait, dans la phase de tactique, comme c'est la deuxième. Après le déploiement, c'est les tactiques. Okay. Mais je pourrais pas prendre Stun parce que j'ai pas aucun personnage qui est tactical et je suis pas adjacent à toi. Fait que je pourrais pas te faire Stun présentement, parce que t'es trop loin. Fait que là, je n'aurai pas de tactique. Et là, lui, maintenant, c'est la phase de mouvement. Lui, il est daze, mais lui, il peut bouger. Puis on peut toujours choisir qui on fait bouger, mais tout le monde doit bouger dans la phase de mouvement. Okay. Donc là, lui, il bouge de 1. Fait qu'il est vraiment un gros... hein, c'est incroyable. Il bouge vraiment beaucoup. Alors, et là, après ça, une fois que là, on arrive là, c'est là qu'on fait la phase des habiletés. Comme là, lui, il a shove. Ouais. Je pourrais décider de l'utiliser, mais je le ferai pas. De toute façon, lui, il ne peut pas bouger. Et là, après ça, c'est engage, mais je ne peux pas attaquer personne. Donc, mon tour est terminé. Bon, mais c'est quand même... c'est très simple. Fichument simple, hein? C'est très, très simple. T'as un peu, j'essaie de me rappeler, là. Ça m'a fait... Je rappelle que le but du jeu, c'est d'éliminer le héros adverse. OK. Il n'y a pas grand choix. Donne-moi deux chips. Ben, tu sais, les chips bleus, tu pourrais peut-être me donner. Je vais les mettre de mon côté. Ça va être plus simple. Je peux juste dire ça de même. Il me semble que tu en as plus que moi, des chips. Ben, parce que toi, tu en as mis beaucoup plus que moi aussi. Ah, il y a ça. Putain. Ouais. Ça va être bien plus simple comme ça. On va arrêter de les arracher. Donc, je suis allé chercher le stratège. Donc, le stratège, il y a Tactical, puis il y a Inspire. Alors, Inspire, c'est les alliés adjacents à cette unité gagnent un dé bleu à leur attaque. Et là, je peux faire une habilité. Je pourrais faire Fury Hero, mais on s'entend qu'il n'y a rien autour. Puis là, je peux bouger. Non, ton habilité, c'est après avoir bougé. OK. Ah non, il faut que j'aille chercher un gars. Hein? Non, c'est à la fin d'aller chercher un gars. C'est déploiement. Après ça, c'est tactique. Après ça, c'est mouvement. OK. Après là, ça, c'est habilité. Tactique. Oui. Je vais te prendre ça, moi. Ici. Oui, oui, il n'y a pas de problème pour ça. J'ai quelque chose que je ne suis pas sûr. Je vais faire un bolster health sur ma stratège. Puis là, qu'est-ce que je fais avec celle-là? Je le mets comme ça? Hein? Quand je l'ai utilisé? Ben là, c'est un... Ben oui, c'est ça. Tu la défausses. Okay. Puis là, tu y rajoutes 2 points de vie parce que c'est écrit dessus. Et c'est pas écrit heal, mais c'est bien écrit gain. Gain. Quand on heal, on peut pas aller plus haut que notre limite. Ouais, gain, on peut monter plus haut que notre limite qui était inscrite dessus. Ça, j'avais deviné. Ensuite, là, c'est les habilités. Là, je peux pas vraiment le faire, on s'entend. Puis après, c'est bouger. On s'entend? On s'entend. On s'entend. Donc, il va bouger de 1. Ouh, il est supposé être à cheval. C'est ça qui me fait rire. Ouais. Ouais. Bon, OK. Là, moi, j'ai déjà ma première problématique. J'ai déjà ma première problématique. Alors, tantôt, on avait dit que Beastmaster, ça ignore le roaming. Ça ignore le roaming du beast. Ouais. Sauf que roaming, c'est que notre beast peut bouger en lançant un dé. Oui. Si mon beast a zéro de mouvement. Non, mais c'est à cause qu'il doit. Attends un peu, roaming. Ouais, c'est. Là, je suis comme. Attends, si vous regardez mon. Pour le mouvement de cette unité, lancer un dé d'arena un nombre de fois égal à son mouvement. Pour chaque lancer, cette unité bouge dans la direction correspondante selon le compas. Le compas étant ça. Oui, c'est ça. Alors, cette unité ne peut pas bouger durant le step de mouvement des troupes. Ah, c'est parce que le roaming, tu es obligé de le faire. Ouais, mais regarde, lui, il est roaming. Mais lui, il dit qu'il ignore le roaming. Ben, c'est ça. C'est à cause qu'après, tu vas pouvoir le faire. C'est que ta bête, tu vas pouvoir la faire bouger comme tu veux. Mais elle a zéro de mouvement. C'est ça que je comprends pas. Ça veut dire qu'elle bouge pas? Ben, c'est ridicule, non? Attends un peu... Je comprends pas. Ben non, regarde, moi, elle a deux de mouvement. Ben, moi, j'ai un War Rhino qui bouge pas. Bon, ben... C'est ridicule. Ben, oui et non, d'une certaine façon. OK. Ben, OK, c'est bon. C'est bon à savoir pour le futur, mais j'ai ma petite idée de qu'est-ce que je peux faire, mais... OK. Donc là, c'est à moi. Donc, je vais commencer par... À toi. Je vais commencer par placer... Lui, il a 3 points de vie. Donc, je vais placer un autre warrior. Je vais le placer ici. Donc, lui, il est dazed, mais les autres peuvent bouger. Donc, lui, je vais l'envoyer là. Pour un. Puis lui, je vais l'envoyer là pour 2. Personne ne peut attaquer. Puis je fais pas de tactique. Pourquoi tu l'as pas bougé de 2? Tu pouvais bouger de 2? C'est ce que j'ai fait. 1, 2. Ah, excusez. Mon Dieu. Mais mon Dieu que je sais pas compter. Je n'osais pas le dire, là, mais... Fait que voilà, je... Bon, on va pas encore perdre. Mais voyons donc. Seigneur. Quel positivisme incroyable. Bon, tu vas me donner... Ah non, pas besoin. En passant, lui, on n'a pas le droit de le débloquer avant que les autres soient débloqués. Le doré. Comment? Alors, le doré, on n'a pas le droit de le débloquer avant que les autres soient débloqués. OK. T'es sûr? Il n'est pas doré pour rien. Hein? Ouais. Ben, écoute, je vais vérifier juste pour être sûr, là, mais... OK, là, j'ai fait ça. Là, je pourrais jouer une tactique, ça me tenterait, mais là, ça ne sert pas à grand-chose. Ensuite, je bouge. Ah non, c'est l'habilité. S'il y a une habilité qui peut se déclencher, c'est pas le cas. Là, je peux bouger. L'habilité, c'est après avoir bougé. C'est déploiement, tactique, mouvement habilité, engage. OK. Donc, celle-là... Bouger là. The Gold Reward. Je vais bouger ici. Là, habilité, je peux pas le faire. Ouais, il faut faire les 4 autres tracks avant de pouvoir débloquer celui-là. Puis là, je peux engager, c'est ça? Tu peux engager, effectivement. Donc, parce que là, j'étais à 2. De distance. Ouais. Donc, je lance... Un dévers. Un super dévers. Okay. Là, je suppose qu'on touche avec les, exact. Les super glaives. Puis là, okay. Là, ton Fury Aura, c'est une habilité. C'est ça que tu utilises. Non, tu peux pas l'utiliser parce que c'est un X. Ouais. Puis le First Strike, c'est avant de bouger, je peux attaquer. OK. C'est ça, First Strike. Je veux juste être sûr de mon coup, là. This unit can attack or use a special the turn it is deployed. Okay, ça, ouais. Mais le First Strike, il sert pas à rien. Ouais, fait que j'attaque. Oh, je te touche, man! Donc, tu m'enlèves un point de vie. Ouais. Et toi, tu te gagnes un crowd favor. Ouais. Sauf que... OK, je suis pas à ton range, donc tu me fais pas un point de dégâts avec ton retaliate. Donc, je fais un crowd favor. Pas fever, ça parle même. Favor. Hein? Une faveur de la foule. Une faveur du crowd. Ouais. Le crowd qui te favorise. J'ai l'impression de jouer à God of War. Ah! Ouais, c'est ça. Kratos. J'aime ça. Ok, t'as choisi. Ok, ouais. C'est bon. Ok, moi, je vais... Donc, pour mon déploiement, je vais amener un Mountain Radical. Donc, j'ai oublié de prendre ma... Un radical montaignier que je vais mettre ici. Yo. Que je vais mettre là. Yo. Non. Non. Parce que, en passant, quand ils sont là, ils n'ont aucune habilité, ils n'ont rien du tout. C'est chiant, Aztec, ça. Mais je vais le mettre là. Fait que lui, il est tactical. Donc, je pense que tactical... Tu peux utiliser son tactical même si... Ouais, j'ai oublié, j'aurais pu l'utiliser, celle-là. Inspire, c'est que tu lances un dé de plus. Non, le tactical. Ah, le tactical, c'est que tu peux... Donc, moi, si je t'attaque avec un hamstring, je t'attaque n'importe où pour jouer d'être adjacent. Ah, j'ai fait une erreur. Mais t'as pas le droit de le mettre sur une unité qui est une élite. Donc là, comme là, moi, présentement, j'ai pas envie de faire ça tout de suite. J'ai envie de mettre une adrénaline. Je pense que je vais mettre mon adrénaline sur mon warrior qui est ici. L'adrénaline, c'est que mon warrior va maintenant avoir un déplacement de plus. Donc, quand c'est permanent, on le met en dessous comme ça pour dire qu'il l'a. Donc là, il va bouger de 3 maintenant. OK? Donc là, lui, il va faire ça. OK. Lui, il va faire ça. OK. Puis lui, il peut bouger jusqu'à 3. Donc, il va faire 1, 2. Il va faire ça. OK. Donc là, lui, il t'attaque avec un dé noir, un dé bleu, un dé jaune. Les dés jaunes ont 2. D'ailleurs, c'est écrit dessus en passant. C'est pour ceux qui n'ont pas vu, mais on Victorum encore. Là. Donc, sont écrits dessus. Ça, c'est 2, hey boy. 3. Et ça, c'est 4. Et ce qui est très cool, c'est que si tu regardes ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5 petits encaveurs. Ça veut dire qu'il y a 5 qui touchent. Celui-là, il y en a juste 2, ça veut dire qu'il y en a juste 2 qui touchent. Ah, ok. C'est quand même bien. Alors, let's go! Donc, toi, tu pourrais les tirer sur ton... Ouais, mais non. Alors, je te fais 2 dégâts. Donc, je me fais... Je vais faire celui-là ici. Ah! Bon, je vais faire lui, donc je suis rendu à 2. Et là, faut pas que j'oublie que lui aussi t'attaque le warrior avec les mêmes dés sur ton strategist. Qui a 4 points de vie à cause que tu y as rajouté des points de vie. Alors, watch out, le strategist. Si tu, là, je te le dis. Là, ben, je peux pas, j'ai juste 3. Tu peux pas faire 2 touches avec ça. Ah, c'est 3 maximum. Ben, je t'en fais 2. Donc là, regarde, 2 autres de plus ici. Pouf. Donc, j'ai déjà quasiment débloqué mon héros. Un peu, toi, là. C'est bientôt mon tour, là. OK. Et c'est tout. C'est tout. C'est tout pour moi. On sent que le combat est lancé, là. On sent que tu commences à sentir la rage. Qu'est-ce que je prends? Seigneur. Qu'est-ce que tu veux, je te dise? Qu'est-ce que tu veux, je te dise? Bon, je vais prendre... je vais sortir mon warrior. Il va sortir ici ou là-bas. Donc, je vais lui donner une chance quand même. Je vais utiliser mon tactical. OK, tu vas faire quoi avec ton tactical? Alors, cette unité-là est distraite. Donc, t'attaques juste avec des déjeunes. Ah! Hein? Tout le temps? Oui, c'est permanent. Distracted. The Senate is replaced with 3 jaunes. OK. Mange un char, espèce de... Ensuite, là, c'est... Là, c'est Movement. Mouvement. OK. Donc, évidemment, t'en as un qui est daze, les autres, tu peux les bouger. Ouais, lui, il est daze, c'est ça? Ouais. Puis là, lui, c'est, mettons, je le bouge là, il est toujours pas débuté. Toujours, ouais, ça? Toujours dans les éléments sans... Ouais. Tu sais que le stratégiste, il lance un dé rouge. T'as-tu vu c'est quoi la particularité du dé rouge? Non. Regarde-le. C'est drôle, ça. C'est 6. Ben, voyons. Je sais pas. C'est le seul dé que j'ai vu dans un jeu de société que tous les côtés touchent. À cause de ça d'avoir fait un dé? Je sais pas. Mais dans le jeu original, le stratégiste donnait un point de dégâts, mais je pense qu'ils ont voulu que ce soit uniforme. C'était juste écrit un, tu sais. Ouais. Fait que là, ils ont voulu mettre un dé parce que c'est tout un fonctionnement avec des dés. En tout cas, regarde. C'est un petit peu con, mais... Bon, il y a les dents. C'est un petit peu con. C'est quoi de con? OK. Celle-là, il va bouger là. Lui, il va bouger 7. Lui, il est déjà là. Je sens qu'il va mourir, mais c'est pas grave. OK. Ensuite, il fait son Fury Aura, donc ça te fait un coup de dégâts. Mais tu peux pas faire un engage. Ah oui, t'as fait une habilité, mais oui. C'est une habilité. Et bon, là, on s'en va avec les engage. On va commencer par celui-là. Si tu veux. OK. Donc, je sais... Ah, ah non, c'est vrai, une habilité, c'est pas une attaque. Parce que je peux pas faire ton retaliate. Le retaliate, c'est seulement si tu m'attaques. Ouais. Puis une habilité, c'est pas construit donc, comme une attaque. Si je te tue... Tu retaliates pas, hein? Non. N'oublie pas, là. You're dead. Yes. Vu que je t'avais fait un point de dégâts avec le Fury Attack, ça comptait. Oui. OK. Ensuite, les gens crient. Wow! Oh! Bon, mon stratégiste attaque. Je suis obligé de tirer le dé rouge pour la forme ou... Faut que tu le fasses. OK. Un point de dégâts, man. Et mon protecteur va t'attaquer aussi avec un dé noir, c'est ça? Ouais. Un seul dé noir qui a 5 touches sur 6. Et ça te fait un point de dégâts. Et là, j'ai fini celle-là. Donc, je prends Gain this Support Chip. Mais je le mets où, le Support Chip? Je le mets là? Non. Le Support Chip, tu peux le mettre tout de suite sur le plateau. Tu as deux choix. Donc, soit tu le mets n'importe où sur le plateau du côté du foothold, ou tu le mets sur un des... en tant que personnage là, qui peut tirer. Les autres, ils peuvent pas bouger, par contre. Ouais, je sais. Ils sont là-dessus. Mais là, il est daze, là. Il peut pas attaquer. Ben, de toute façon. Non, il est daze, oui. Ben, je suppose. Oui, oui, il est daze. OK. Parfait. Fait que c'est pas mal ça, man. J'ai fini. OK, tu fais chier. Ah, excusez, j'ai-tu dit ça? Non, non, il faut pas parler de même, Martin. Moi. Ah, ça, je peux l'enlever. Fury Aura, c'est quoi ça fait déjà? Fury Aura, ça, tu l'as toi aussi. Fury Aura, ça fait un dégât à celui-ci. Ça fait un dégât à une unité qui est à... XX, là, le nom qui est écrit à côté. Là. OK. OK. Hmm. J'ai des idées. Oh. C'est pas super, ça. Ça, si je le mets là... Il est quand même daze. Ah la 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 la. Je veux pas qu'on se marie. La la la. OK, je pense que je vais finalement utiliser mon marksman. Il y a deux magnifiques points de vie, par contre. C'est quand on les récupère-tu à un moment donné, les tactiques? Ben non, à moins que tu aies une unité qui le permet, mais non, c'est one shot. Donc, je vais utiliser mon marksman, puis je pense que je vais le placer là pour l'instant. Oh, j'ai oublié d'utiliser mon Inspire tantôt qui attaque. Ah, ben là, c'est à toi de t'occuper de tes affaires. Maudite affaire. Je vais, comme tactique... Ouais, comme tactique, je pense que je vais utiliser... Parce que j'ai un tactical, je pense que je vais utiliser un stun. Non, pas un stun, un hamstring. Ce n'est que notre attaque on a turn, it uses its movement. Donc, on ne peut pas attaquer le tour qu'il a bougé. Fait que, on va faire un hamstring sur lui. Fait que, quand tu bouges, tu ne peux pas attaquer. Alors, lui, il va bouger de 3. 1, 2, 3. On va aller là. Lui, il peut bouger de 3. On va faire 1, 2, 3. Lui, il peut bouger de 1. On va bouger 1. Et... je pense que je vais attaquer. J'en ai 2 à attaquer. Est-ce que j'attaque ton héros? Je pourrais... Parce que là, je peux juste lancer des jaunes. Non, t'es obligé d'attaquer lui, parce qu'il attend. Ah, il attend. Ben oui. T'as bien raison. Donne-moi donc 3 des jaunes. Parce que c'est bien... tu m'as mis un Distracted. Ouais. Je lance... Ça, les astiques de des jaunes, je les déteste. C'est des motadines. Est-ce que ça va être un ridicule ou un Simonac qui va sortir? Des déjons, j'ai jamais beaucoup de succès avec. Donc... Et voilà! Hey, Simonac! Mon gang de dés... Alors, je vais utiliser mon Mountain Radical, puis il va attaquer ton sentinelle avec 2 dés bleus, s'il te plaît. Les dés bleus, c'est des 3. Des 3 touches, donc la moitié. Fait que ça serait bien le fun si je pouvais... No. Oh, come on! Come on! Là, 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 non. Oh, que je suis heureux. Non. Oh, là, que là, ça va de mon bord. Là, ça, c'est non. C'est non. Oh, que ça va de mon bord. C'est non. Ah... Ridicule. C'est ridicule. C'est complètement ridicule. OK. Hey, tantôt que je l'ai placé, j'aurais dû faire mon first strike. Moi, on dit que je cave. Ouais, mais tu pouvais pas... Ben oui, il y a 4 de distance. Ben oui, t'aurais pas... Non, il était daze. Tu peux pas... Ah oui, le first strike, il peut le faire, c'est vrai. Ah oui. T'as raison. Il aurait pu le faire. Mais tu l'as pas fait. Je l'en dirais. Ben non. N'importe quoi. Je t'appelais pour te dire. Ben, ça se peut que vous entendez des chansons. C'est des chansons québécoises. Alors, tu t'amènes un protecteur. Ouais. Est-ce que tu utilises une tactique? Il y a beaucoup de monde là, sur le plateau là, présentement. Armstring. Ensuite, là, c'est mouvement, après les habiletés, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK. Lui, il bouge là. Je vais aller là. Ou non. Je vais aller là. Ensuite, il va bouger de 2. Lui, il peut pas attaquer. Ouais, je sais. Je te le dis. C'est important que tu le saches. Là, tu sais qu'il ne pourra pas attaquer de là. Hein? Il peut pas attaquer de là. Ah, je peux pas attaquer? Mais non, parce que tu es sur une... t'es dans les contours aussi. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas mal bougé tout mon monde. Ça entend. Ensuite, les habiletés. Fury Attack. Il meurt. Prends ta merde, là. Fait que, ensuite, ma stratège va attaquer ton Mountain Radical. Lance le dé. Tu veux absolument je lance. Ah ouais, ah ouais. Un point de dégâts. Ils l'ont fait. Là, tu sais que ça te fait 2 points. Oh, oui, oui. Ça faudrait peut-être que je choisisse ça. Attends, on va commencer à débloquer mon héros, là, à un moment donné. Ensuite, ma sentinelle. On va tirer sur lui, on s'entend. Un dégât. Oh, c'est n'importe quoi. Ouais, ça fait du bien. Puis, lui... Et non. Lui non plus. Mais... Hein! Il est fini. Bon. Oh! C'est quoi Earl? Earl, c'est que tu peux prendre une unité adjacente puis l'envoyer et le déplacer dans n'importe quel hexagone disponible qui est pas à plus de nombre de X away de cette unit. Donc Earl 1, c'est que tu peux le prendre puis l'envoyer là ou là. Il me semble qu'ils sont pas déplaçables, eux autres. Ben, en tout cas. OK. Oh. Donc, je vais amener un autre protecteur. Pardon. Tactique. Ouais. Je pense que je vais prendre... Ouais, je pense que je vais mettre Blitz sur mon protecteur. Ça donne quoi? Qui rajoute un dé vert à son attaque. Okay. Alors lui, il a ça. Là, maintenant, mon mouvement. Bon, lui, il va s'en aller ici. Lui, probablement dans ses derniers 1000. Donc, voilà. 1, 2, 3. Oh! Tu m'as accroché. Ouais, non, mais ouais, ça me fait plaisir. Lui, je vais le laisser là. Puis, je vais commencer par faire le long. Lui, il va faire... Ah non, l'habilité avant. Je vais faire Earl. Ça, je comprends. Ouais. Je peux faire ça. Non, non, c'est autour de cette unité-là. Fait que tu pourrais l'envoyer n'importe où, là. Si hein? Je peux bien comprendre, là. Oui, non. Ça n'a pas d'allure, ton affaire. This unit, choose an adjacent unit and displace it to any available X that is no more than the number of X's away from this unit. OK, je comprends. Dans le fond, si je peux l'envoyer là ou là, il faut qu'il soit adjacent. The unit choose an adjacent and displace it to any adjacent X that is no more... Ah ouais, OK, je veux dire, je peux l'envoyer n'importe où autour de lui. Donc, je pourrais l'envoyer là, mettons. Ouais. Ça, je comprends. Je sais pas ce que ça donne. Je vais le faire pareil. Fait que... après ça, j'engage. Fait que... lui va faire son special de long shot 4. 4, donc tu me fais 1 point de dégâts jusqu'à 4x. Automatique? Il me semble. 2, 3, 4, fait que ça serait comme fini. C'est ça que j'ai. This unit rolls its weak. Non, tu roll the weakest attack die against an opponent within XX and deals the resulting damage to it. Ah, moi, on a ce fit des jaunes. Ben non, il y a 2 dés. Mais oui, mais c'est the weakest die. Ah, ok, ok, ok. Mais. C'est-tu le number of weakest die ou juste le weakest die? Non, ça doit être juste le weakest die. Ah, t'as un peu. Ça doit être juste le weakest die. Il y a une die against dans the weakest die. C'est contre le sport bed, c'est ça? Ouais. Okay. Moi, parce qu'il est à 4. Yes. Char de merde. C'est con. C'est ridicule. Yes. Puis là, ben lui, 2 dés bleus. Ouais, ouais. Un stratège, genre, je veux juste toucher un. S'en aller. Bon, et deux. Voilà, elle est morte. Bon, fait que là, ça me fait... Ben, je fais quoi avec? Ben, tu la mets face cachée, là. C'est la défausse, dans le fond. Okay. Puis là, moi, je fais un. Ça, je te donne ça. Ça, je le débloque. Et mon personnage... Et je peux maintenant... Là, je peux le mettre là, là. Je peux déployer... Ouais, je peux déployer ici, si je veux, maintenant. Je peux déployer sur tes... sur les tiens aussi. Ben, c'est qui Activate your hero. You may use all other deployment X's. Oh! Puis là, je peux le mettre à un autre endroit. Fait que je pense que je vais le mettre... Je vais le mettre là. Parfait. Donc voilà. Puis... first strike, je vais le faire. Non, c'est pas à ton tour. Attention. Ben oui, mais je viens de le déployer. C'est pas grave, c'est seulement à ton tour que tu peux utiliser tes bonhommes. C'est si tu l'avais déployé pendant ton tour, tu aurais pu faire un first strike. Ou je dis que... Non, 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 non. Tu peux pas attaquer dans les tours des autres. Et là, j'ai fait toutes mes attaques. Parce que ici, voilà. C'est marqué « The turn it is deployed », pas « During your turn it is deployed ». Non, non, non. Le first strike, c'est « This unit may move ». First strike, c'est écrit... First strike. This unit can attack or use a special the turn it is deployed. Tu peux jamais attaquer dans le tour des autres. Ouais, c'est ça. C'est juste que c'est juste pour éliminer le daze. Oui, je suis certain. Certain à 100%. OK. Parce que peu importe le tour qui est déployé. Fais confiance, c'est toi qui est le grand gourou du CTG. Sinon, Jean-Roger va nous le dire. Jean-Roger, c'est lui mon... Le gourou de tout ce qui est Chip Theory Games. Oh, il va nous dire dans les... Là, c'est à mon tour? Ben oui, j'ai fini. OK. C'est donc même merveilleux, ça. Donc, je vais déployer... le cossin là, ici. Attends un peu, faut que j'utilise une tactique avant de bouger, hein? Oui. Une tactique, c'est toujours avant. Puis, quand tu as une unité fatigue. Fatigué, c'est quoi ça? Fatigue, ça, ah oui, fatigue, faut que j'aille voir là-dessus parce que c'est. C'est pas. Il aurait pu l'écrire sur la chip, mais ils l'ont pas fait. Fatigue, c'est a unit that is fatigued cannot move or attack and all of its skills are ignored. Including innate skills. Il n'y a rien qui fonctionne. Quand ils sont fatigués. Mais ça, c'est jusqu'au prochain. Jusqu'à la fin du prochain tour. Wow, wow. T'as-tu un tactical dans ta gang? Parce que je viens de le tuer, ton tactical. Ah ben oui, j'en ai pas. Fait que t'en as pas, là. Tu peux pas me mettre ça sur le. De la chenoute. Hey, je l'ai. Bon, ben, je vais bouger. Je l'ai éliminé. Celle-là va bouger là. Lui, il va bouger ici. Celle-là. Non, 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 non. Non, non, il était ici. Lui va bouger là. Lui il va bouger là. Lui ici va aller ici. Lui, je peux pas, les sentinelles. Lui, les sentinelles, on s'entend que. Mais là, ça veut dire qu'il n'est pas dazed. Non, non, il l'est pas. OK, parfait, excellent. Parce qu'il n'est plus d'aise à la fin de son tour. Parfait. Donc là, c'est les habilités. Il y a juste celle-là, puis on s'entend qu'il ne le fera pas. Non, parce qu'il ne se rend pas. Là, c'est... c'est ça. T'en as quelques-uns qui peuvent attaquer. Bon, je vais commencer par la sentinelle qui va attaquer la Mountain Radical. OK. OK. Donc, un des bleus, un des jaunes. Il est mort. Ce qui va me permettre à lui de se repositionner, donc d'avancer d'un de plus. Fait que là, tu avances d'un, puis tu me donnes mon foothold, s'il te plaît. Comment ça? Mais tu viens de me faire un dégât. Je viens de l'avancer d'un. Ah, OK. Je vais pas te le donner d'abord. Ben, j'espère bien que tu me le donneras pas. Ah, pourquoi je l'ai mis là, lui? Il attaque à deux, tata. En tout cas. La sentinelle que là va attaquer ton marksman. Eh, hey, wow, wow, wow. C'est quelle sentinelle qui a attaqué l'autre? Celle-là. Touche une fois. Là, tu... Là, je débloque ça. Là, je débloque mon héros. Wow. Ah, oh, mon tableau. Mm. Ok, c'est correct. Je t'en veux pas. Juste assez, mais je t'en veux pas. C'est pas mal ça, là. Pas mal ça. Okay. Faut que je pige, je pense que c'est la dernière chip que j'ai. C'est quoi ça? Oh. Ouais, moi aussi, c'est ma dernière chip. Oh! Ok, je vais déployer mon War Rhino. Ton War Rhino? Ouais, je comprends pas, ici, il bouge pas. Non, mais là, il est là. Okay. Écoute, moi non plus, je la comprends pas celle-là, mais il est écrit 0 dessus. Mm. Attaque à 1, mais ceux qui sont à côté, ils aiment pas trop ça. Puis, il y a toujours la possibilité du Earl, qui j'imagine que ça peut être n'importe quelle unité. Hein? Ouais, c'est le Earl, c'est... This unit choose an adjacent unit. Donc, c'est pas un enemy unit nécessairement. Fait que je pourrais, tu sais, dans le fond, le manipuler avec, avec ma gang. Bon, tactique. Je vais... J'ai encore mon... J'ai-tu encore mon tactical? Non, je l'ai pas. Nope. Mais j'ai quand même une unité adjacente à la tienne. Je vais te stunner. Oh mon tabarouette. Fait que t'es stun. Oh mon tabarouette. Ok, donc là... Ah, tu mérites ce que je pense. Lui va aller là. Lui va rester là. Lui va rester là. Mais lui, il est dazed, là. Fait que... il pourra pas attaquer, là. En passant, on ne peut pas passer par-dessus nos propres unités, hein, juste à dire. Ben, j'avais imaginé, j'allais te poser la question à un moment donné. Donc, lui, il va faire 1, il va faire 2. Puis, lui, il va faire 1 par là. Mais on peut tirer à travers nos unités. Ça, c'est... Ils sont allés vraiment très simples dans la... Fait que là, on s'entend que j'ai comme un amalgame de plein de monde autour de ton personnage. Oui, de ma sentinelle. Le Perfect Strike, c'est que si je lance juste des hits avec mes 3, je pense que je fais un dégât de plus. Peux-tu regarder? Perfect Strike. Je pense que si je fais tous des hits... when attacking, donc quand vous attaquez, cette unité lance juste des hits sur toutes ses unités. Il doubles le total damage. Ah oui, ça c'est malade, ça. Là, lui, tu pouvais-tu le mettre ailleurs? Ou... Il était à 0. Okay. Ouais, j'étais à 0. Donc, je commence par Feng qui va lancer avec 2 dés noirs, 1 dé jaune sur ta sentinelle. 1 dé noir, 1 dé jaune. 2 dés noirs, 1 dé jaune. Comment ça, 2 dés noirs? Ben écoute, c'est le héros quand même. C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe qui. Là. Non, non, c'est n'importe quoi. Attends, j'ai les habiletés avant. Mais lui, il l'a pas parce qu'il est. Ah non, c'est vrai, il l'a, mais. Ah ouais, attends un peu, quand je suis dazed, j'ai. C'est les innate que j'ai, c'est le reste que j'ai pas quand t'es dazed. Je pense. Mais là, de toute façon... Ah, non, parce que j'ai mis mon photo dessus. A unit is dazed, cannot move, attack, use ability, or use special. Fait que... Alors... 3, 6 dégâts! Je pense qu'il est mort. Il est fini. Combien j'en fais exactement? J'en faisais 3, c'est ça? Ça fait 1, 2, 3. Donc ça, c'est réglé. Ben là... Par contre, la problématique, c'est que je ne peux plus attaquer avec personne d'autre. Donc, c'est tout pour moi. OK. Et on va prendre une petite pause. On vous revient dans quelques instants. C'était à toi, je pense. Oui, c'était à moi. Puis là, il faut que je prenne la bonne décision. Ouais. Que vas-tu prendre comme décision? C'est ça que tout le monde se pose comme question. Je sais pas si je fais une bonne affaire. Ah non, je fais pas une bonne affaire en faisant ça. Ça serait con mental. Je suis le pire des débiles. Je serais le pire des débiles. Ça. C'est le combat du siècle. Oh, mais finalement, non, ça ne sera pas si débile que ça. C'est totalement débile. Oui, on va le faire apparaître ici. Puis il y a First Strike qui va attaquer ton Fang. Pourquoi tu le fais apparaître là? Tu peux pas... Ben oui, mon héros est actif. De quoi tu peux faire attaquer Fang? Ben oui, il y a First Strike. Je fais que je l'attaque Fang. Mais là, attends, faut que tu fasses toutes tes affaires avant. On n'est pas rendu là, là. Le First Strike, c'est when it is deployed. Oui, mais tu fais ça dans le mode, dans l'engage. Non, on n'est pas rendu là. Là, t'es dans le déploiement. Ah, ok, non, là, je comprends. On se calme, là. T'es pas rendu dans l'engage, là. Là, t'as déployé. Non, t'as te tente. Ça servait à rien, mon affaire. Non, parce que t'es obligé, parce que t'es adjacent à lui. T'es obligé de l'attaquer. Même si t'es à distance. Ah, shit. Ah, ouais. Non, alors donne-moi ça. Ça marche pas. Non, mais après ça, je pourrais le tuer. J'aimerais ça. C'est de la merde. Ça serait le fun. C'est quoi ça, reposition? Reposition, c'est qu'au lieu d'attaquer, tu peux faire ton mouvement. Ah. OK. Tu peux bouger 2 fois. Vous êtes toujours là, merci beaucoup. J'ai l'impression qu'on va même faire ça en seulement un seul épisode. Pour cette présentation-là. On va essayer ça, là. Je suis pas sûr que c'est une bonne chose. En tout cas, c'est pas grave. Je vais faire ça ici. Puis je vais sonner celui-là temporairement. Question qu'il m'attaque pas. Ben, de toute façon, il peut pas attaquer, il est là. Je suis sur un photo. Ah oui, c'est ça, bon. Donc, mon tactique, ça a de l'allure. Dodge, ça fait quoi, ça? Quand cette unité est attaquée par une unité qui n'est pas élite, l'attaquant lance un dé bleu à la place de n'importe quel dé rouge, dé noir ou dé vert. Ouais. Mais coudonc. Non, c'est des dés plus petits. Ouais. C'est qui a Dodge? Ah, lui, il va bouger. Qui a Dodge? Pourquoi tu dis Dodge? C'est qui a Dodge? Il va bouger de 1 là. Ton héros de marde, là. Il va bouger de 2 comme ça. Lui, il peut bouger de 1. Il va se reculer un peu. Sentinelles ne peuvent pas bouger, on s'entend. Non. OK, habilité. Donc, lui, ça sert à rien. Lui, ça le fait sur lui ici. Non, il faut que ce soit... Oui, il y a 2 X. C'est pas 2 dégâts, celui qui est... Non, c'est à 2 X. This unit deals 1 damage to an opponent within number X's. On se calme, là. Tu vas faire une petite crise cardiaque, là. Mais les ton beads, là. Tu vas perdre tes points de dégâts que tu fais. Je devrais même pas t'en parler, en fait. Je devrais rien te dire. Je vais faire ça, là. Ou you may move or flip a foothold each turn. OK. Ensuite, ça peut pas attaquer. 1, 2, 3, 4. Lui, il va attaquer ta bête qu'il y a là. Ça, il enlève 1. Ensuite, mon warrior ici. qui va attaquer ton Lock Seeker. Donc, il tire un noir, un bleu, un jaune, c'est ça? Ouais. 2. Il y a un respect encore. Puis, ah, lui, il attaque lui. Avec un dé vert. Bon! Oh! Enfin, tu touches pas. Reroll! Il n'y en a pas dans le jeu, là, des rerolls. Lui, il perd ça. Fou! Donne-moi les. Donne-moi. C'est bon. Pas mal ça, là. Lui, il pouvait pas attaquer. Ok. Puis là, je pense qu'il n'en reste plus d'amour. Hein. Non. Ok. Donc, je vais faire apparaître un marksman qui a first strike. Ça, c'est le fun. Là, j'ai plus de tactique. Fait que à partir de maintenant. Ok, fait que lui, il est là. C'est bon. Il lance tout ça. Il n'y a pas besoin de bouger. Excellent. Lui, il va pouvoir le lancer dessus aussi. Ça, c'est très bien. Donc, lui, il va faire 2. Il va aller là. Lui, il va faire 1. Le marksman. Le marksman va rester là. Donc, je vais aller avec mes habiletés maintenant. Shove. Je le ferai pas. Earl 2. Donne rien. Mais lui, il fait... Ok, là, on est rendu. Lui, il va faire un reposition. Puis, il va aller se repositionner ici. Non, il va aller se repositionner là, en fait. Ici. Ok. Et là, j'attaque. Donc, lui, donne-moi des noirs. En fait, donne-moi des noirs, des jaunes. Parce que là, j'ai plein d'attaques avec les des noirs et des deux jaunes. Comment ça, les des jaunes? Donc, ben, lui, un des noirs et des jaunes. Lui, un des noirs. Lui, un des noirs et des jaunes. Ah, ok. Donc, le Lock Seeker qui va commencer par attaquer ton Warrior. Un dégât. Ça débloque ça. Tu peux prendre ça ici. Alors, je peux rajouter 3 points de vie à une unité. Et je pense que je vais... Ah, oh, c'est bon, tu me mets là, je vais pouvoir attaquer maintenant. C'est très bien, merci. Parce qu'on est encore dans la... Ben, ces deux-là... Non, lui, il vient d'utiliser son reposition. Je vais donner 3 points de vie à lui. Il a là. Ok, ensuite de ça, lui, il va attaquer ton warrior. Un dégât. Donc, un dégât, je vais aller chercher celui-là ici. Et lui va attaquer ton protecteur. 2 dégâts. 1, 2. Je suis en train de perdre. Ah, pas en tout. T'es pas en train de perdre, pas en tout. Je sais pas ce que tu dis là. Moi, t'as dit chialeux. Hélène, sors de ce corps. Je vais perdre. Je vais perdre. Je fais pitié. Je fais pitié. Je vais perdre. Là, c'est à mon tour, là. Non, c'est à moi. Ah, pis tiens, prends ton stun. Il est plus stun. Je peux-tu jouer, là? Mais fais ce que tu veux. Si au moins tu fais... Aïe, Mais non, t'as des beaux cheveux gris. Il y a des beaux cheveux gris, mais Stéphane, maintenant. Okay. Oh, mon Dieu, Seigneur. Ça serait bien. Ok, attends un peu. Est-ce qu'on peut le refaire? Allez, refais-le encore. Ok, prenez un screenshot de ça. Ok. Alors, c'est ça, hein, les jeux de société, lorsqu'on revient à jouer en société, avez-vous vu comment c'est tellement le fun de rejoindre les gens que l'on connaît, avoir du plaisir comme ça. Donc, lui, il va avoir first strike. On s'entend. Sur qui? Ben, sur lui. Oh, on s'en fout. Mais non, on s'en fout pas en doute, ben, au contraire. On s'en fout, tu vas lancer de la merde. Hey! Ben oui, non, mais pas fin. Mais oui, mais c'est ça qui risque d'arriver. C'est espèce de pas fin. Ben là, mais qu'est-ce que je te dis? C'était pas fin. c'est toute une guerre. Non. Ah non, si, il bouge. Hey, hey, oh, hey, oh! Ouais. J'avais oublié quelque chose, là. Ouais. Je voulais absolument le faire, là. Quoi? Mon fang était supposé attaquer ton stratégiste, là. Tu m'as dit que t'avais fini. Ah là, tu peux me le permettre, là. Quand même, là. Sinon, tu vas sentir bien de... Tu sais bien qu'il allait l'attaquer, là. En fait, j'aurais pu attaquer ta sentinelle parce que t'avais mis ta sentinelle avant. Ouais. Je peux attaquer un ou l'autre, mais je vais attaquer ton stratégiste. Okay. C'est lui que j'aurais voulu. Okay. Attaquer ton stratégiste. Ça fait 2 dégâts. Bon. Ça m'en donne 2 de plus. Oups. Ça me débloque ça. Shit. Ah. Oh. Colin. Il y a 3 points de vie en dessous, s'il vous plaît. Ben ouais, ok. Tiens. Merci, hein. Bon. Ça, okay. Ça, on appelle ça d'avoir de l'esprit sportif. Merci. Ouais. Ça me fait chaud au cœur, ton acceptation. C'est un petit peu n'importe quoi ton affaire. C'est ça, par contre. Dans ce jeu-là, la gestion de qui a attaqué quand t'as plein de monde, c'est ça qui devient difficile. Hein. Puis ça fait des petites problématiques comme ça. Il va quand même se déplacer là. Pour pouvoir laisser lui arriver là. Excusez. Commence à être tard déjà. Hein. On est. Il doit être 2-3 heures du matin à peu près, là. Oh, à peu près. D'accord. Est-ce que vous aimez ça quand je vous dérange? Comme ça? Ouais, c'est ça qui arrive quand on est dérangé. On sait pas ce qu'on fait, puis on triche. C'est ça. Là. Lui, il va aller là. Pardon? Y a pas de problème. Moi, je pense que c'est un très bon mot, vous laissez là. Non, non, attends un peu, là. Tu vas voir, là. Tu vas capoter, man. J'ai hâte. Bon, là, je fais une habilité, c'est ça? Est-ce que tu veux que ça se termine ou quoi? Donc, lui, oui. Il fait 1 point de dégâts à lui. Non. Oui, avec son Fury. Oh, non, j'ai tente. OK. Non, le Fury... Tente. Non, ça change rien. De quoi ça change rien? Hey, this unit deals 1 damage to an opponent within XX. Ah, OK. Un opponent. OK. Puis c'est tente, puis c'est un innate. Fait que tu fais... Bon, ben, c'est lui qui a son point de vue, finalement. Ouais, tu pars avec tes cochonneries. Hop. Oh! Oh! Je viens de débloquer ça ici. J'aide 3 points de vie à quelqu'un. Ouais, pis. Ben, je sais pas trop là, comment prendre ton affaire. Ouais. On dirait que tu veux que ça se finisse. Là. Hein? Ah, ça n'a rien. Ensuite, ici, j'ai son Fury à 1 aussi. Donc, il fait 1 point de dégâts à ta sentinelle. Tiens, dans ouais. Les dents. Oh. Là, je le mets. Ben, j'ai pas le choix de le mettre, là, finalement. Ok, là, je fais mes attaques, c'est ça? Oui. Ok. Puis là, on devrait trouver une façon de marquer tes attaques. Oui. Genre, on va les tourner de bord. Comme ça, on va savoir qu'ils vont attaquer. Ah, ben oui. Faire la mais lui, il a bougé, hein. Fait que lui, ouais, il peut pas attaquer. Tourne le don. Ouais, lui, il peut pas attaquer. Lui, il peut pas attaquer. Donc, là, tu gagnais ça en passant. De quoi je gagnais ça? Ben oui, parce que je l'ai débloqué. Ah! Tu me le donnes? Ben là, t'as pas le choix de le mettre là. Non, je peux le mettre de même si je veux. Ah, ben oui. Hein? Je peux faire ce que je veux. C'est ça qui est important dans tout ça. C'est de... le mettre là. Ah, oh, mon tabarouette. Eh oui, tu peux pas passer dessus. Ah, t'es sûr, tu peux pas juste les mettre non, sur ces affaires-là? Non, tu peux le mettre n'importe où sur le plateau. Ah, sauf que quand tu le mets là, tu c'est donc ben de la chenoute. Ben, c'est de la stratégie. Non, non, c'est de la chenoute. Eh non, c'est de la stratégie. C'est de la chenoute. Tu peux pas passer là. Chenoute, chenoute, chenoute. Et voilà. Chenoute. Donc, on va commencer par ma sentinelle ici. Qui attaque? C'est un jaune. Ah. Ton War Rider. Ah ouais, lui, là. Okay. Ah non, il pourrait attaquer lui. Ici. Il est à 4. Oui. Effectivement. Ou ton War Rhino. Hmm. C'est lequel qui est le plus... Non, ça va être ton Marksman. Ah, oh, vache! Non. Le déjeuner. Non. Là, je l'accepte pas. Ah, mon Spabed va attaquer ta sentinelle ou lui ici. C'est incroyable. Ça va être lui ici. Il va attaquer lui là. Incroyable. Sentinelle. Oh. Yes! Et lui, le protecteur, va attaquer ta grosse bébête. Ah, donc lui, c'est fait. Là, c'est mon protecteur avec un dé noir. Oh yes! Oh, le seul qui pouvait pas me toucher. Oh. Excellent. Excellenté. Non, c'est pas excellent. Excellent. Mon warrior ici, il y a un noir, un comme ça. Il attaque ton Lock Seeker. 0-0-0. Oui donc. Deux fois. Il est pas mort. Oh, il est pas mort. Mais je débloque ça ici. Je te donne un autre affaire de même. Ah oui? You may move or flip a foothold each turn. Ça veut dire quoi, ça? À tous tes tours, tu peux décider de flipper un de tes footholds qui est ici. Okay. Ou tu peux le bouger de 1. Ah, ok. Ok, tu fais quoi avec? C'est important, parce que là, il me reste tout ça là-bas. Je vais... Ah, mon... Ah, mon... Ah! Oui, je sais pas trop c'est quoi les bruits qui sortent présentement. Ensuite, je vais y aller avec lui ici, qui attaque à 2 distances, qui va attaquer ton marksman. Parce qu'il fait son first strike. 1. C'est ridicule. Mais je suis en train de perdre. Ben, oui. Je suis en train de perdre. T'en as combien perdu d'unités, moi, regarde? J'ai 1, 2, 3, 4, 5 unités. Combien t'en as perdu, toi? Hein? Combien t'as perdu? Je sais pas. 2. 2? Ah, moi, j'en ai combien? Attends un peu. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, je vais perdre. Ma sentinelle est obligée d'attaquer lui, au dernier nouvelle. Parce que lui, il a tente. Il tente, oui, effectivement. Ouais, ouais. Donc, un jaune, un bleu. Une... Seulement. Ouais. Puis mon gros chef, il est obligé d'attaquer aussi ton protecteur de la nouvelle. Ouais. Donc, 2 jaunes, un noir. Ouais, c'est ça. Ah, c'est dans mes poches. Ouais. Oh! 1 point de dégâts, mais quand même. Oh! Là, lui, je le verrai pas pour rien. Puis mon protecteur, il n'y aura pas le choix d'aller là. Tu peux pas bouger. Ah ouais, ben tu fais un reposition. Ah ouais, ok. C'est intéressant. Bon, là, je vais tous les revirer. Tu vas les revirer? Les revirer. Wow. Donc... Je vais mettre un autre protecteur juste à côté. Ben oui. Donc j'ai des protecteurs partout. Ah oui, lui il lance un dé vert en plus, c'est vrai. Ok, donc... Ben en fait, lui il a dodge, tous tes dés deviennent des bleus. Non. À moins qu'ils soient jaunes. C'est ça, exact. Mais ça, on s'en... Donc, ben, je bougerai pas personne, je pense. Je pense que ça va être... Ça va être ça. OK. Ah ouais, ça, je bougerai pas personne, je vais juste faire des... Je vais commencer par lui faire un Fury Aura, fait que boum. Ça, tu perds ça. J'ai pas d'autre. Lui, il a shove comme habileté, mais je le ferai pas. Donc, je vais commencer par faire attaquer la sentinelle qui est là sur lui. Donc j'ai un des jaunes, donc juste un des bleus. Un des jaunes, excusez. Et là, le lancer de dés. Zéro! C'est la... Calme! Lui, il va lancer un dé noir, un dé vert, un dé jaune. Ouais, j'ai déjà un dé vert. Ben, tu fais un quand même. Ah, mange un char. Regarde, c'est tout ce que j'ai à te dire. Mange un char. Ensuite, j'ai lui qui va attaquer lui avec un dé noir. Non, en fait, il va attaquer lui ici avec un dé noir. Donc, et il le tue. Donc, ça me fait ça. Tu veux quand même 3 unités. Et là, on y va all-in. Donc, lui, c'est. Dans le fond, il va lancer 2 dés bleus parce qu'il y a un dé noir puis un dé vert. Donc, il va avoir lancé 2 dés bleus à cause de ton dodge, de ton personnage. Vas-y. Alors, ça fait 1 dégât. Fait ça. Et mon Fang, qui, en passant ton dodge, ne touche pas les élites. Donc, il va lancer 2 dés noirs et 1 dé jaune. Là, j'ai 2 dés bleus. Non, c'est ça. Alors là, let's go, Fang. Puis si j'ai Perfect Strike, c'est 6 dégâts. Pas. Oh! Ah! 2 dégâts. Oh! Pas t'es rajouté, hein? Ouais, mais là, 1. Attends. Je débloque ça. Puis 2. Fait que j'ai. Puis on peut les faire apparaître dessus, non? Dessus. C'est juste que ça bloque. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, tu peux pas les faire apparaître dessus. Non, non, non. Donc, c'est à ton tour. Oh! Le combat des titans, toi. Le combat des titans. Toi, tu vas être wousse, hein? Et que c'est de la marde. OK. En passant, le... You may move or flip a foothold each turn, c'est pendant ta phase d'habileté. Que tu peux le faire. Hein? Ton foothold que tu peux bouger, c'est dans ta phase d'habileté. Mm. Il y a trop de points de vie. Tu en avais donné un trou? Oh, c'est de la triche! Non, j'en avais donné un de moins. Ah, la triche! Non, c'était pas de la triche rendu là. C'était à ton avantage, là. Oh, putain. On est dans les derniers 1000 de cette partie. Donc, lui, il va commencer à se déplacer. Lui, il va faire un 2 pour le fun. Lui, il va aller là. Excusez. Une autre toux qui m'assaille. J'ai pas retrouvé notre bébite. Il va aller là. Il attaque à 2 distances. On va aller là. Là, j'ai pas mal fait ce que j'avais à faire. Donc, les habilités. Alors, mon Fury Aura ici qui va faire 1 sur lui. Mon Fury Aura 2 qui fait 1, 2. Il va faire 1 sur un des protecteurs. Ça va être lui ici. Parce que c'est le plus fort. Rendu à 5, lui il sort. Il s'en va dans ton camp. Il s'en va dans mon camp. Oui, tu peux pas le sortir tout de suite. Il y a quand même 7 fichus points de vie, j'ai même pas assez de chips. Ah, tu peux pas le sortir. Tu peux pas le sortir encore. Bon, ça, les habilités sont faites parce que j'en avais pas d'autres. OK, parfait. Donc, ensuite, c'est les attaques. C'est ça? Oui. Go for it. Il peut pas attaquer parce qu'il... Ah non, il y a First Strike qui peut attaquer. Ouais. Donc, il va attaquer Miss ici. de chance, je peux pas croire. Lui va attaquer ton rhino. Avec un des verts. Ensuite, mon protecteur va l'attaquer. Hein? Protecteur ici. Ah, ok, ok, lui, ouais. Ok, ça c'est fait, on s'entend? Ouais. Ma sentinelle site va attaquer Mister là. Donc c'est un comme ça. Ça fait un. C'est assez pour le tuer. Bla 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 bla. Tu prends ton hamstring de merde. Lui il attaque juste à 1, donc il peut pas attaquer. Là je suis rendu dans ce point-là. Bon, là, on commence par mon protecteur ici, qui n'a pas le choix d'attaquer ton protecteur que là. Ouais. Ben, il n'a pas le choix de toute façon, c'est le seul à côté. Oui, c'est ça. Ça te fait un. Ensuite, lui ici, il va attaquer toujours le même protecteur. Oh! Ma sentinelle qui est à côté va attaquer le protecteur. Bon, ça c'est bien. C'est un des bleus, un des jaunes. Ouais. Un. Ouais. Bon, tu enlèves le bleu. Puis il reste ton... Ouais, il reste lui, puis ma sentinelle qui est là, qui a rien fait. J'essaie de savoir c'est qui attaque qui. Mais là, en fait, lui, il a pas le choix d'attaquer lui, là, on s'entend. Bon, là, on commence par ma sentinelle qui va attaquer lui. Excusez, c'est... Une fois. Puis mon goyot va l'attaquer aussi. Il a pas le choix. Oh! Oh. Un seul dégât. OK. Ça, c'était dégueulasse. Bon. Lui va bouger de 2. Ah, attends, avant. Faut que je déploie. Donc, il me reste que lui à déployer. Donc... Je vais le mettre là. Lui va bouger de 2. Lui va bouger de 1. Prise que je vais perdre juste à cause de ça. Et là, les trois vont t'attaquer, en sachant que lui, il en a 2. Fait que là, avant, je vais faire attaquer mon rhino. Un des noirs, un des verts, un des jaunes. S'il pouvait tuer ton simonac de protecteur de marde. Oui. C'est fait tout juste, mais c'est fait. Bon. Et là, allons-y. Le protecteur, 2 des bleus, s'il te plaît. 2 des bleus à cause de ton dodge. Donc, let's go! Let's go! Let's go! Ouais! 2 des bleus. Oh, il en reste 4 points de vie. Maintenant, le protecteur, 1 des bleus. 1 des bleus. Non. Ah, raté. Et là, Fang, je le tuerai pas ce tour. Ah, ça dépend si j'ai un Perfect Strike. Ouais. Si j'ai un Perfect Strike, c'est la fin. Genre comme je viens de déposer. C'est la fin, c'est un Perfect Strike. Ah! 2 dégâts. Il reste 2 points de vie. Ah, en passant, je me suis rendu au max, là, on s'entend. J'ai réussi à survivre. Il reste 2 points de vie à ton héros. Alors, c'est à toi. Maintenant. Alors Stéphane ici qui réfléchit. Beaucoup de réflexion. Que va-t-il se passer? Ça me fait chier que ça soit là, ça. C'est le côté stratégique de Promecus. C'est ça qui va te faire gagner. Parce que là, tu sais, je peux pas me distancer assez. Tu sais, 1, 2, 3. Tu vas venir m'attaquer pareil. Là. Oui, oui. Fait que je suis bien mieux de faire 1, 2, comme ça. Allez, l'inévitable s'en vient, là. Ah ouais. C'est terminé. C'est terminé. Il va se déplacer, là. Il va aller là. Il va aller là. Il va aller là. C'est terminé. Attends un peu, là. Ça veut pas dire. It's the end. It's the end of the world. C'est la fin. Victoire! Non, victoire tout le monde. Attends un peu, c'est pas fini Martin quand c'est pas fini. Victoire, je pensais pas la gagner celle-là, sans farce. 2, 3, 4, 5, 6. T'as pas gagné encore là. C'était... comment tu vas faire pour tuer mon héros? Je sais pas. Avec du monde qui tire à un. Qui se rendent même pas à lui. Attends un peu. Je comprends pas. Comment tu peux penser que tu as des chances là? Hey, bon. Donc... touche pas. Bon, là, je fais mes habilités. Ouais. Donc, lui, non, on s'entend. Lui, il va le faire. Il n'y a pas le choix sur lui. Non, il n'est pas obligé parce qu'il n'est pas adjacent. Ah, oui, c'est vrai. Il n'est pas adjacent, fait que tu peux le faire sur mon héros. Sur ton héros. Sinon, t'as pas d'autres habilités, c'est tout. OK. Ensuite... Ben, lui, tu l'as-tu fait? Hein? Lui, tu l'as-tu fait? Ouais. OK. Ah non, je l'ai pas fait, c'est vrai. Je le fais sur lui, j'ai oublié qu'il était adjacent. Puis là, OK. Laisse-moi réfléchir. Là, je fais mes attaques, c'est ça? Ouais. Là, la stratégie, c'est de faire le bon au bon moment. Mais je comprends pas. Tu peux pas tuer mon héros, c'est impossible. Mon héros est adjacent au tien. Après ça, je l'attaque avec 2 dés noirs. C'est juste mon lancer de dés. Si je lance comme de la merde, là, je vais crier. Okay. Mais crier fort, là. Lui va attaquer ce protecteur-là. Donc. OK. Ça. Un dégât. Ce qui est pas assez pour l'éliminer. Non. Ça, ça fait chier. Mais même s'il l'avait éliminé, il aurait eu quoi après? Lui, je l'ai joué. Bon, je vais faire lui sur ton rhino. Oh, c'est raté! Le rhino qui survit. La tension, mesdames. Lui, la tension. Va tirer sur lui, j'étais à 4. Ouais. OK. Oh, c'est raté! C'est raté! Oh! Oh que là, ça me fait chier. Et lui, il va faire la même affaire sur lui. Oh, il est encore. Ah, c'est fait. Lui, il va faire un reposition. Lui, c'est fait. Lui, je peux rien faire avec. On s'entend. Lui, il peut tirer sur lui. Sauf que t'as pas fait apparaître personne, hein, toi, en passant. Ah, ben oui, hein. Ça serait peut-être fun que tu fasses apparaître quelqu'un. Ça serait peut-être le fun, effectivement. Ça, c'est la merde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, tu fais apparaître ton héros, mais lui, il est pas, on n'est pas obligé de le détruire pour... Ah non? Non. Non. Il va apparaître là juste pour le fun. Ah, lui, c'est pour le fun. Puis il pouvait pas bouger rien, tu sais. Non. Mais il avait First Strike, mais ça change rien. Non, il est à 1 de distance. À moins que tu le mettes là, puis que tu attaques mon... Ouais, ben c'est ça. Mon rhino. Bon, puis là, il reste mon héros à attaquer. On s'entend. Ouais, mon bonhomme a retaliate. En passant. Oh! Mon Dieu! Bon, t'as gagné, man. Mon Dieu, Seigneur! C'est fini. Mon Dieu. Oh! C'est fini. Parce que je l'ai éliminé, lui, pour pouvoir traverser, lui, là, puis essayer, en tout cas, de faire en sorte que je puisse tirer sur lui sans être obligé de... Bref. Ouais, mais peu importe, ça, tout dépend de là, parce que là, c'est à moi à jouer. Pour ça, je vais faire, juste pour le plaisir, 1, 2, 3, 4, 5, je vais faire apparaître... Piculus. À côté de Rostam, t'es. Bobo. Oh, c'est sûr. Ouais. Puis là, dans mon mouvement, lui va bouger là. Lui va bouger là. Lui peut pas bouger. Après ça, dans les habiletés, lui va faire un hurl. Pouf. C'est ce que je peux faire. Ouais. Lui, il fait un Fury, fait qu'il est mort. Puis là, ben, j'attaque. Fait que là, je vais juste par plaisir faire attaquer lui sur lui avec deux bleus. Oh, deux bleus. Un dégât. OK. Ensuite, là, mon protecteur va attaquer lui avec un dé. Des bleus. Oh, il fait un point de dégâts. Et mesdames et messieurs, voici deux dés noirs et un dé jaune. Est-ce que le héros va mettre fin au héros? Ben oui, c'est sûr. Ah, écoute, s'il faut que je prenne trois blancs. C'est fort à crier. C'est sûr. Oh, c'est un perfect strike. C'est un perfect, je fais 6. Il est rendu à moins 5. Il est mort. Il est mort. Et c'est une victoire. Victoire! Je me suis trop garoché vers toi. Puis t'avais tes protecteurs. J'avoue que quand t'as avancé ton héros sur moi, je me suis fait... Qu'est-ce qu'il fait là, Colin? Puis mes protecteurs, en plus, qui étaient là. Défoncé d'un coup sec. J'ai bien vu ça. Puis je ne comprends pas encore l'utilité de mon Rhino. Moi non plus. Il attaque fort, mais il bouge pas. Fait que... Peut-être parce que Rhino, c'est gros, je sais pas. Je sais pas. C'est complètement ou c'est trop con pour bouger. Hein. Puis, comment tu trouves ça? C'est un excellent jeu. C'est très bien, hein? C'est très bien, j'adore ça. Puis là, je me rappelle la fois qu'on avait joué à Hoplomachus, la première édition, puis je me rappelle avoir aimé ça, puis je me rappelle pourquoi j'avais aimé ça. C'est simple, moi, ce que j'aime beaucoup. Ouais, c'est super simple. C'est très tactique, mais il y a beaucoup de simplicité dans le jeu. Puis c'est, je vous dirais, puis là, ce qui est le fun, c'est que là, t'as tout ça, là. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5 autres factions. Il y en a 7 dans le jeu. 7 dans le jeu. Fait que, non, c'est très bien. Puis il y a un autre... le petit concept de ça, je trouve ça le fun. Ça rajoute de la stratégie. Oui. Est-ce que tu le prends? Est-ce que tu prends l'unité pour tirer loin ou tu bloques des places? Ça. Tu m'as bloqué de façon très stratégique. C'est ça qui m'a empêché de faire ce que je voulais faire. Bref, t'entourer ton héros, puis il rentrait dedans d'un coup sec. Ouais. Puis mon héros était quand même bien protégé, je dois avouer. Ouais. Le Perfect Strike, il est cool aussi. Mais là, ça, ça représente quoi? Une tente? Ouais, mais tu construis une tente pendant un combat de gladiateur? Je sais pas. Je l'ai jamais... Tu sais, celle-là, c'est correct. Celle-là, ça a bien rapport qu'ils se mettent sur les remparts, mais celle-là, puis il y avait ça dans le jeu original aussi. Fait que voilà, ben j'espère que vous avez apprécié cette présentation d'Hoplomachus Remastered. Alors, comme moi, j'ai apprécié. Moi, j'ai bien aimé. Moi, j'ai hâte de faire, j'espère, une revanche. Ah, bien, sûrement. Sûrement, bien, pas ce soir. Non, ça va être correct. Parce que là, il est rendu à 3 h du matin. Non, il est 4 h du matin. Regarde, il commence à faire clair. C'est incroyable. Alors, merci beaucoup, Stéphane. Hey, ce fut très... agréable de reprendre du collier avec toi. J'espère qu'on va avoir la chance de faire plusieurs autres jeux. Alors, ben écoutez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Un petit pouce dans les airs si vous voulez nous dire que vous avez aimé la vidéo. Un petit pouce en bas si vous voulez dire à moi et Martin hier. J'ai perdu, Martin a été chanceux. Non, c'est de la stratégie. Oh oui, les photos. Stéphane, c'était même pas... Non, je prends l'archer. Ah, enfin. On était rendu là? Ouais. On est rendu où? On est rendu à dire, allez sur notre page Facebook et notre Instagram, ainsi que notre Discord pour vous tenir au courant des dernières nouvelles, mais surtout pour communiquer, parler avec notre super communauté. Puis Martin, endors-toi pas, s'il vous plaît, pendant que je suis en train de parler, quand même. Fais pas comme nos élèves. J'ai-tu dit ça? Faut-tu que je coupe, là? Okay. Non, 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 t'es pas obligé. Okay. Ils savent très bien qu'ils dorment des fois. Oh mon Dieu, si tu savais. Ouais. Il y en a quelques-uns qui ont aucune honte. Non, aucune honte. Moi, il me semble que j'aurais une petite honte de m'installer. Puis... Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'il y en a un qui ronfle. C'est vrai? Ouais. Moi, cette semaine, j'ai fait faire le saut à un de mes élèves qui dormait. J'ai donné un coup de pied sur son bureau. Et je dois avouer que sa réaction valait 10 000 $. Tu sais, genre de cas qui se fait comme « Je suis où? Je suis où? » Bref! Je suis où, Carole? Oh, je suis dans une école. Je pensais que j'étais dans mon lit. On les aime. On les aime. Mais on a tellement d'histoires à raconter. Ah oui. Ah, tout plein. J'ai commencé à écrire un petit livre. Un petit fascicule. J'ai écrit tout. On devrait faire ça, une chaîne YouTube Histoire d'élèves. Oui. Bref, je suis un prof. Tu sais, reprendre cette... Oui. Mais on les adore. Oh, on les adore. 98% de... Oui, effectivement. Parce que il y a un petit 2% qu'on n'aime pas aussi. Ouais. Non, je vais le dire. Allez faire un tuto chez notre commanditaire. La Pioche? Hein? La Pioche? Le quoi? Tu me débaptises. Parce que le JP, La Pioche, la boutique de jeux à Québec, donc au www.boutiquelapioche.com ou encore au 106 René Lévesque Ouest à Québec, si vous voulez dire un petit coucou à JP et dire « Hey, ton magasin s'appelle maintenant La Pioche. » Ou aller voir son employé maintenant. Ah oui, c'est vrai, il y a un employé. Il y a un employé. Oui. Allez faire aussi un petit tour sur notre campagne Patreon, je vais tousser. Meurs pas, Martin. Allez sur notre campagne Patreon, hein, puis l'argent va servir à me sauver. À hospitaliser Martin. C'est un automne très difficile. Un automne très difficile. Oui, effectivement. Oh là là. On est rendu. Elle dit ça la prochaine fois. Amusez-vous avec Zone Jeux de Société. On se reverra très bientôt. Allez, bye bye tout le monde. Bye bye.